H2022, c'est un booster formidable pour les années à venir. Autant sur le plan économique que culturel, il faut en profiter. Mon rôle en tant qu'artisan, commerçant, c'est d'y participer. Je suis Gérard Caillotte, pâtissier et confiseur glacier à H3Z avec 22 collaborateurs. Il n'y a pas de secret, il y a juste des matières de brasse de qualité. Mon équipe et moi-même travaillons sur un projet de confiserie que nous allons présenter dans une boîte avec des sites d'H3Z, des monuments, des sites qui sont intéressants et à mettre en avant. C'est que nous avons beaucoup de chance d'avoir H2022 après ce que l'on vient de vivre. Tout simplement, il faut que tous les acteurs de la ville d'H ou des alentours se mobilisent. Je pense que tout simplement, H va profiter de ses retombées, de l'international va nous connaître, donc on va attirer plus de touristes. Donc on va développer la partie gastronomie, hôtellerie et le tourisme. Enfin, on va mettre H sous les feux, la rampe, on va en profiter, on va parler positivement d'H, tout ce qu'on a de beau, tout ce qui a été fait, tout ce qui va se faire, donc on peut aller de l'avant.